tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de bracelet brésilien. On va aujourd'hui apprendre à bien commencer et à bien terminer son bracelet brésilien. J'ai pris aujourd'hui un bracelet que j'ai à moitié terminé. Au niveau du motif, il est terminé, mais au niveau des finitions, pas du tout. Donc je vais vous apprendre à bien le terminer pour commencer, parce qu'on aura besoin des deux tresses que je vais faire pour faire la belle boucle qu'on fera au tout début du bracelet. Pour commencer, on va d'abord faire un nœud standard qu'on va faire tout au bout du bracelet pour bien montrer qu'il est terminé. Donc on fait un nœud standard avec tous les fils. Donc ici j'ai 8 fils, mais en fait ça n'a aucune importance par rapport au nombre de tresses que vous voulez faire. Après, si c'est un très très gros bracelet, vous pouvez faire 3, 4, 5 tresses. Et là dans mon cas, je vais en faire 2. En ça, j'aurais pu en faire une seule, mais je trouve que 2 c'est plus joli. Donc on va séparer 4 et 4 fils, si possible avec le même nombre de couleurs des deux côtés. Après c'est une question d'esthétique, hein, ça vaut de voir. Et on va faire 2 tresses. Une fois que vos deux tresses sont faites, et qu'elles ont à peu près la même longueur, vous venez couper les deux extrémités, pas trop au ras du nœud que vous avez fait pour terminer la tresse, mais pas loin du ras. Et pareil de l'autre côté. Et pour plus de sécurité, je vous conseille de mettre un pan de colle sur le nœud pour éviter que ça se détache. Normalement, il n'y a pas trop de risque, mais c'est juste une question de sécurité. Après, on répartit la colle sur le nœud. N'oubliez pas de bien vous laver les mains après, parce que c'est une colle assez forte que j'utilise. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, donc là déjà le bracelet est bien terminé, avec les deux petites tresses qui permettent de l'attacher aussi assez facilement si on veut l'attacher autour du poignet. Une fois que nos deux tresses sont terminées, on va retourner le bracelet et en fait avec l'aide de ces deux tresses, je vais pouvoir l'accrocher comme ceci pour faire la belle boucle. Alors comment ça se fait? On prend un fil de la couleur de votre choix, moi j'ai choisi noir parce que le bracelet est majoritairement composé de noir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un nœud normal juste à côté du nœud qu'on a fait pour former la boucle. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon. Et on va faire juste un nœud hyper classique. Le fil est de longueur d'à peu près 30 cm. Juste pour vous signaler. Et ce qu'on va venir faire, il faut être un minimum délicat. On va faire passer. Je ne sais plus parler. On va venir passer le fil en dessous des fils qui composent la boucle. Puis on va le rentrer à l'intérieur de la boucle et à l'intérieur du cercle qu'on a formé. Ce qu'il faut retenir, c'est en dessous. Vous allez comprendre pourquoi après. Et maintenant, on va faire la même chose, mais au-dessus.
dessus des fils qui composent la boucle. Et on resserre. Donc je recommence. En dessous. Puis au-dessus. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la boucle. Elle est ici, mais à la fin de la boucle, alors vous voyez, j'ai pris un petit peu trop de fil, je pense que 20 cm ça devrait suffire largement. À ce niveau là, ce que je conseille, c'est de mettre un point de colle entre les deux extrémités du fil noir. Et de faire un nœud normal entre les deux extrémités. Du coup, qui va arriver sur le point de colle. L'intérêt de la sécurité. Attendez quelques secondes pour que ça sèche. Et voilà, maintenant vous savez bien commencer et bien terminer votre bracelet avec les deux petites tresses ou plus, ça dépend du nombre de fils de votre bracelet, et une belle boucle qui est valable pour peu importe le nombre de fils de votre bracelet. Rejoignez Bracelets Brésiliens sur Facebook, Instagram et Twitter pour découvrir des bracelets toutes les semaines. Dites-moi dans les commentaires quel bracelet vous aimeriez que je vous apprenne. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau tutoriel.